Bonjour, bonjour, ici Monsieur GasD595, donc il va falloir donc une petite vidéo sur cette day. Donc un petit jeu, donc un peu horreur et tout ça. Donc un clavier assez QWERTY. Ça peut être bien simple. Ça a l'air d'être d'un style Minecraft, un peu on dirait. Donc je voulais tester donc ce genre de jeu, si vous voulez que je continue sur ce jeu, je continue. Verrouiller, verrouiller. Verrouiller. Voilà, qu'est-ce qu'il peut... Oh oh. Ça c'est bizarre, on entend un peu les bruits de... De paille, enfin... Voilà quoi, des cordes ou comme ça quoi. On peut rien faire là. À part des livres anciens. On peut courir. Ah, c'est embêtant, c'est QWERTY. Une télé. Je peux pas l'éteindre. T'as encore. Qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est un gros zoomé. Ah, je sais pas ce que c'est ça, j'entends. Des bruits de pas. Sam. Pourquoi je suis ensemble? C'est quoi ça? Sam, je sais pas s'il faut écrire ça là-dedans. Il y a le derrière des lettres. Sam. Ouais, en plus, il y a juste 3A. Donc, une clé. Une clé de la bibliothèque. Ça a l'air d'être la clé. Je sais pas ce que c'est que ce bruit là. Il a l'air d'avoir rien. À part des bruits. Peut-être un truc à récupérer. Je clique partout. Ah, j'ai trouvé une clé noire dans l'étagère. Donc ça doit être la porte noire. Vu que c'est la clé noire. Non, ce serait pas très logique. Ouais, ce serait pas très logique de mettre une clé noire si... Par contre, la porte, je sais pas où elle est. Allez, là. Voilà. Là, il y a une clé blanche. Voilà. Donc allons dans la porte blanche.
Wow! Wow. Oh putain. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? Ce n'est pas encore l'heure. Et on se réveille. Ok. Je vous quitte donc sur ce dans cet endroit-là, sur le lit. Donc je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.